Les essais de vrille ont été effectués avec le Jaguar M05. L'avion a été peint de façon à repérer plus facilement ses attitudes sur les films. Fuselage gris dessus et blanc dessous. Voilure gauche jaune, voilure droite grise dessus, blanche et noire dessous. L'avion a été rendu conforme au Jaguar monoplace de série tant en ce qui concerne les formes aérodynamiques que les commandes de vol. Un avion d'accompagnement était prévu, principalement par sécurité et accessoirement pour filmer. Cet essai a été filmé par l'avion d'accompagnement. Attention, danger, la vrille volontaire est interdite. En cas de vrille accidentelle, la reprise de contrôle peut être longue de plus de 40 secondes. La perte d'altitude peut atteindre 30 000 pieds entre la perte de contrôle et la fin de ressources. Il faut éviter impérativement de se mettre en vrille, car la durée de la perte de contrôle peut être longue et rien ne permet de l'écourter. Voici ce que peut voir le pilote. Un mouvement complexe et de fortes agitations qui le désorientent. L'extinction des moteurs est presque systématique et la perte d'altitude est importante. Ce film décrit la vrille et les phénomènes précurseurs. Il donne les consignes pour éviter la vrille et ce qu'il faut faire si l'on s'y trouve. Jusqu'à 20 degrés d'incidence, l'avion évolue bien. Au-delà de 20 degrés, à mesure que l'incidence augmente, on rencontre en cherchant à évoluer les phénomènes suivants. L'avion roule dans le sens du gauchissement, mais avec des facettes. L'avion est en virage à gauche. Le pilote serre de plus en plus et l'incidence est supérieure à 20 degrés quand il braque le gauchissement à fond, à droite, pour renverser le virage. L'avion roule à droite, mais avec beaucoup d'hésitation. Même essai vu par le pilote. Le gauchissement est braqué à fond à droite alors que l'alarme sonore d'incidence retentit. Le roulis à facettes est net. Il faut rendre la main pour retrouver un comportement normal de l'avion. L'avion oscille en roulis, refusant de virer, c'est le dernier avertissement avant le déclencher. À une incidence plus élevée, si le gauchissement est braqué, l'avion n'obéit plus. On obtient des oscillations en roulis. Il faut impérativement rendre la main dès le fonctionnement de l'alarme sonore d'incidence. L'avion déclenche. Encore une petite augmentation d'incidence et le braquage du gauchissement conduit à la perte de contrôle. La reprise de contrôle est rapide, mais ce n'est pas souvent le cas. La traînée derrière l'avion est due à l'extinction des moteurs.
En toute configuration, on peut atteindre des incidences supérieures à la limite de 20 degrés. L'approche du décrochage est signalée par des oscillations de rouillis-lacets contrôlables. Le buffeting ne croît pas et ne constitue pas un avertisseur valable. Après décrochage, le rendu de main reste très efficace et le contrôle de l'avion est rapidement repris. La perte d'altitude peut atteindre 5000 pieds, beaucoup plus si les moteurs ont éteint. Décrochage en configuration bec-combat. Le décrochage survient au-delà de 20 degrés d'incidence, c'est-à-dire après le déclenchement de l'alarme sonore. L'avion part en oscillation de roulis-lacets tant que la profondeur est maintenue à cabrer. La récupération se fait en relâchant la profondeur. Même essai vu de la place pilote. On voit les oscillations alternées de roulis-lacets. La vitesse verticale est importante et la perte d'altitude peut atteindre 5000 pieds. Voici la planche de bord au cours de ce même essai. Elle a été adaptée aux essais de vrille. Au centre, la boule. À gauche, l'anémomachmètre avec 150 nœuds à 3 heures. Au-dessous, l'altimètre principal avec l'altimètre de secours un peu plus à gauche. À droite, les instruments moteurs, TGT, régime et lampe bleed valve. Décrochage avec volet 41 degrés en position atterrissage. L'approche du décrochage est caractérisée par des oscillations de lacet que le pilote peut contrer. Au-delà de l'incidence limite, l'avion ne peut plus être tenu, il effectue 3/4 de tonneau. Reprise de contrôle en rendant la main. La perte d'altitude va de 1500 à 2000 pieds. Un deuxième essai enchaîné présente les mêmes caractéristiques que le premier. Mêmes essais vus par le pilote. On note les oscillations de roulis-lacets, puis la perte de contrôle qui se traduit par un embarquement en roulis. Reprise de contrôle après avoir ramené les gouvernes au neutre et ressources. Le deuxième essai est identique, oscillation, décrochage et reprise de contrôle après recentrage des commandes. Déclenchez et vrille. Aux vitesses inférieures à 180 nœuds, l'avion ne part pas en vrille, on obtient une perte de contrôle qui se prolonge tant que les commandes ne sont pas recentrées. La récupération se fait en 6 secondes après recentrage des commandes. Déclencher à moins de 180 nœuds. Exemple 1, essai avec recentrage des gouvernes dès le départ en lacet. La récupération est obtenue en 4 secondes. L'avion est à 170 nœuds en virage à gauche. Le braquage du gaugissement à droite fait déclencher l'avion à gauche. Le recentrage immédiat des commandes
permettent une reprise de contrôle rapide. Les moteurs continuent de fonctionner correctement. Même essai vu par le pilote. Dès le déclenché, il recentre les commandes. Le contrôle de l'avion est vite repris et le pilote revient, ailes horizontales, avant d'effectuer la ressource. Déclenché à moins de 180 nœuds. Exemple 2. Essai gouverne transversale croisée. Profondeur à cabrer pendant 45 secondes. L'avion part en roulis lacet alterné. La sortie est obtenue 5 secondes après le recentrage des commandes. Voici un deuxième exemple de déclenché à moins de 180 nœuds. Le pilote a cherché à forcer la vrille en gardant volontairement profondeur à cabrer et gouverne transversale croisée pendant 45 secondes. L'avion ne part pas en vrille, il oscille assez lentement en roulis lacet à des incidences de l'ordre de 40 degrés. Il faut recentrer et lâcher les commandes pour reprendre le contrôle de l'avion. Toute autre procédure ne peut que retarder le retour au vol normal. Déclenché à moins de 180 nœuds, exemple 3, essai de cloche. Cette figure acrobatique, dite cloche, confirme qu'aux basses vitesses, le Jaguar monoplace ne part pas en vrille. Toutefois, la vrille n'a pas été recherchée à partir de cet essai, les commandes étant conformément aux consignes, recentrées et lâchées lorsque l'avion commence à descendre. Aux vitesses supérieures à 180 nœuds, si les gouvernes sont recentrées dès le départ en lacet, en moins d'une seconde, le contrôle de l'avion sera repris en moins de 6 secondes. Si le pilote hésite plus d'une seconde pour recentrer, l'avion part en vrille et la sortie peut demander plus de 40 secondes. Déclencher et vrille à plus de 180 nœuds, exemple 1. Essai où les gouvernes ont été recentrées en une demi-seconde après le départ en lacet,